Top 10 les meilleurs smartphones 2022. Google Pixel 6 Pro. Le premier smartphone intégralement conçu par Google. La puce Google Tensor qui met l'accent sur l'intelligence artificielle. Les meilleures photos actuellement disponibles sur un smartphone compatible avec les réseaux 5G. Dire que Google était attendu au tournant cette année avec un euphémisme. La firme n'a pas déçu en proposant un Google Pixel 6 et un Google Pixel 6 Pro doté de superbes arguments pour plaire au plus grand nombre. En mettant l'accent sur la photo et l'intelligence artificielle, Google a su proposer les meilleurs photophones de l'année tout en bénéficiant d'un design unique est un processeur suffisamment puissant pour gérer la majorité des jeux et applications. Au vu de ses nombreuses qualités et de ses défauts très moins, le Google Pixel 6 et sa version Pro est notre smartphone de l'année 2021. Les prix chez Rakuten, il est à 891 €. Chez la Fnac, il est à 898,95 €. Chez la Redoute, il est à 899 €. Chez Darty, il est à 849 €. Chez la Ballanger, il est à 899 €. Galaxy Lafayette, il est à 899 €. Chez Amazon, il est à 999,99 €. Chez Cdiscount, il est à 1145,68 €. iPhone 13 Pro Max, écran supérieur Retina XDR 6,7 pouces. Compatibilité 5G, la célèbre opus A15 Bionic d'Apple. Système photo pro avec ultra grand angle et téléobjectif. On ne pouvait décidément pas réaliser un top des meilleurs smartphones du moment sans compter sur Apple. Le constructeur à la pomme répond présent comme chaque année et reste l'un des leaders sur le marché des smartphones premium avec son iPhone 13 Pro Max. Cette nouvelle génération compatible 5G dispose de solides caractéristiques avec sa puce A15 Bionic qui figure parmi les plus puissantes existantes à l'heure actuelle et améliore l'autonomie par rapport à son prédécesseur. L'iPhone 13 Pro Max reste également un excellent candidat pour la photo grâce à ses multiples capteurs et son nouveau mode cinématique. Les prix chez Rakuten, 1149,99 €. Chez la Fnac, 1258,95 €. Chez Amazon, 1259 €. Chez matériel.net, 1259 €. Chez ldlc.com, 1259 €. Chez Darty, 1259 €. Boulanger, 1259 €. La Redoute, 1378,49 €. Le Samsung Galaxy A52s 5G. Un écran supérieur AMOLED de 6,5 pouces. Un système multicaméra, dont un capteur principal de 64 MPX. Une batterie de 4500 mAh pour une jolie autonomie. Compatible avec les réseaux 5G. Vu le nom du téléphone, c'était normal qu'il soit compatible. Si vous désirez passer au réseau de communication 5G sans pour autant sacrifier votre budget, le Samsung Galaxy A52s 5G est notre recommandation. Le smartphone mi de gamme de chez Samsung dispose de plusieurs jolis atouts pour vous conquérir, à commencer par son autonomie et son processeur Snapdragon 778G pour de belles performances lors de la navigation entre vos applications. Un smartphone abordable pour profiter pleinement des bandes 5G. Prix chez Rakuten, 324,89 €. Chez Darty, 336,40 €. Chez Amazon, 351,90 €. Chez Cdiscount, 366,24 €. Le Samsung Galaxy S22 Ultra, un processeur Exynos 2200, des capteurs principaux de 108 MP avec zoom optique 10 fois et space zoom 100 fois. S Pen intégré, compatibilité réseau 5G. Samsung s'inspire grandement de son ancienne gamme Galaxy Note avec son dernier Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce smartphone haut de gamme de la marque dispose notamment d'un stylet Ace Pen intégré pour la prise de notes. Boosté pour le processeur Exynos 2200 en Europe, le S22 Ultra est capable de gérer efficacement vos jeux et applications en très haute qualité. Il dépose
également toujours le savoir-faire de la firme en matière de photos, avec un double zoom optique pouvant aller jusqu'à O10 et un zoom numérique au-delà. Prix Amazon 1259€ et Red by SFR 1259€. SFR 1259€. Cdiscount 1705,72€. Darty 1783,44€. Xiaomi 11T Pro 5G, un capteur photo 100 MP, grand angle, un télémacro 2x et un grand angle de 120 degrés, une batterie de 5000 ampères combinée à un chargeur de 120 watts capable de recharger le téléphone entièrement en moins de 30 minutes, une charge rapide express, un écran plat AMOLED 120 Hz de 6,67, un processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 888. En attendant la sortie d'un potentiel Mi 12 Ultra, Xiaomi continue de proposer des smartphones toujours très puissants et pourtant relativement abordables. En témoigne le Xiaomi 11T Pro avec ses grosses performances liées à son processeur Snapdragon 888 et sa mémoire vive de 8 Go. Vous pourrez également profiter pleinement de vos contenus multimédia grâce à un sublime écran AMOLED de 6,7 pouces, capable de bénéficier d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une fluidité exemplaire pour l'affichage de vos jeux vidéo par exemple. Le 11T Pro se distingue également sur son autonomie qui, si elle ne révolutionne pas le marché, reste très bonne, surtout clé de sa charge rapide. Bien évidemment, prix chez Amazon 569€. Smartphone Huawei P50 Pro, un écran OLED UHD Plus de 6,6 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la puce Snapdragon 888, quadruple caméra avec capteur principal de 64 MP. Si le dernier P50 Pro de chez Huawei nous laisse sur nos fins, pas de service Google ou de 5G, il s'avère être excellent smartphone, notamment sur sa partie photo. Huawei est toujours l'un des leaders dans le domaine. Il le prouve à nouveau avec son P50 Pro. Ce dernier est également pourvu d'un excellent processeur, le Snapdragon 888, capable de faire tourner efficacement vos jeux et applications les plus gourmands et les plus volumineux. Il dispose en outre d'un sublime écran OLED au bord incurvé pour vous plonger pleinement dans vos contenus multimédia préférés. Fnac 1198,98€. Darty 1199€. Boulanger 1199€. Rakuten 1358,10€. Le Google Pixel 6, équipé de la puce maison Google Tensor, le meilleur appareil photo du moment grâce à son intelligence artificielle. Une batterie de 5003 mAh pour tenir pendant une journée et demie. Compatible avec les réseaux de communication 5G, les nouveaux téléphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro se sont révélés être parmi les meilleurs produits de l'année, notamment autour de la photographie. Ce smartphone se distingue également par son bloc photo proéminent qui risque de ne pas plaire à tout le monde, tant qu'il s'agit d'un design assez unique. Sur les autres points, comme la performance et l'autonomie, le Google Pixel 6 brille également et l'on ne lui reprochera que ses haut-parleurs peu puissants et son processeur qui a tendance à chauffer sur certains jeux mobiles très gourmands en ressources. Sa version Pro étant déjà dans notre guide d'achat, nous vous recommandons également sa version classique pour son prix moins cher. Prix Amazon 609€, Rakuten 648,99€, Darty 680,02€. Oppo Find X3 Pro 5G, batterie 6000 ampères avec charge rapide et une bonne autonomie, écran immersif 6,8 pouces HD+, processeur Octa-Core MediaTek Helio G35. Bien que majoritairement connu pour ses smartphones destinés aux petits budgets, la marque Oppo a sorti cette année son budget flagship, le Oppo Find X3 Pro. Ce puissant smartphone est notamment compatible avec les réseaux de communication 5G, bien évidemment, et doté de pas moins de 12 Go de mémoire vive pour faire tourner efficacement vos applications. Plus il y a de place, mieux c'est. Couplé à son puissant processeur Snapdragon 888, vous bénéficiez
aussi d'un des téléphones les plus puissants du monde. Le Oppo Find X3 Pro ne délaisse pas ses autres spécificités en proposant un double capteur photo principal de 50 MPX et d'une comptabilité avec la recharge rapide. Le prix chez Amazon est de 949 €. Le Ricoh Power Upfront, batterie 6000 ampères avec charge rapide et une bonne autonomie. Écran 6,8 pouces HD+, triple caméra, processeur d'accord MediaTek Helio G35. Le Ricoh reste la spécialité des smartphones à petit prix, mais pas terrible. La marque a dévoilé cette année son Ricoh Power U30, qui dispose de solides arguments plaire à une clientèle peu exigeante. Avec un téléphone qui ne sonne pas trop, c'est un peu normal qu'une clientèle peut prendre ce petit téléphone s'il ne fait pas grand chose et que tu n'y attends pas grand chose. Le smartphone est notamment doté d'une très belle autonomie qui lui permet d'être utilisé pendant plusieurs jours et se recharger rapidement. Le Ricoh Power U30 est également un très bon candidat en photo afin de prendre des clichés au quotidien. Le smartphone souffre cependant de son petit processeur qui n'ira pas vite sur vos jeux et ne sera donc pas taillé pour un public désirant lancer des jeux ou applications trop gourmands. Pas cher mais pourri comme téléphone. Prix à la Fnac 158,98 €. Si discount 184,99 €. Rakuten 194,04 €. Amazon 196,63 €. Darty 229,99 €. OnePlus Nord 2 5G. Sublime écran AMOLED de 6,43 pouces et de 90 Hz. Triple caméra IA de 50 mégapixels. Très bonne performance avec ses 12 Go de RAM et son processeur MediaTek Dimensity 1200i compatible avec les réseaux 5G. Le OnePlus Nord fut une véritable surprise lors de sa sortie en 2020. Ce smartphone est arrivé avec une promesse, s'imposer comme un concurrent sérieux au smartphone haut de gamme tout en restant bien plus accessible avec son prix sous les 500 €. Et c'est un pari tenu puisque le OnePlus Nord séduit surtout grâce à son écran AMOLED de plus du plus bel effet et ses solides performances. En outre, il dispose de la surcouche oxygène propre au smartphone de la marque qui est particulièrement appréciée par de nombreux utilisateurs. Prix Rakuten 349,99 €, 448,99 €, Amazon 449 €, chez Darty 449 €. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à être actif, à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les gars, tchuss!